Et salut à tous, c'est Fox. Aujourd'hui, on se retrouve pour un challenge. Donc, en 60 secondes, c'est-à-dire une minute, je vais devoir vous présenter comment faire la mise en forme des textes sur Discord, que ce soit sur des embeds ou sur des messages classiques. On verra par ailleurs que sur les embeds, on peut créer des textes hyper liens. Cette vidéo est en complément d'un de nos articles, celui sur les embeds, où nous vous présentons comment en créer. Commençons tout de suite. Vous pouvez faire sur Discord la mise en forme en italique de deux façons, avec des petites étoiles ou des tirées du bas, de chaque côté et collées au texte. Vous pouvez aussi mettre en gras avec deux étoiles de chaque côté du texte. Vous pouvez aussi souligner avec deux tirées du bas collées au texte. Pour les embeds, vous pouvez insérer des emojis, taguer des rôles, d'autres personnes ou encore des channels et catégories cliquables. Pour ce faire, commençons par les emojis. Pour les emojis, rendez-vous sur Discord. Tapez deux accents graves et mettez l'emoji que vous souhaitez. Copiez ceci et collez-le dans votre embed. Vous verrez donc l'emoji apparaître. Pour les rôles, activez le mode développeur sur Discord, allez dans rôles, cliquez sur copier l'identifiant, allez sur votre embed, ouvrez deux crochets, insérez un arrobase, un end, le E bizarre, et collez l'identifiant. Vous verrez alors le rôle. Pour les users, faites clic droit sur un utilisateur, copiez l'identifiant, allez au même endroit, ouvrez deux crochets, arrobase, point d'exclamation, et collez l'identifiant. Pour les channels, écrivez encore une fois deux crochets, cette fois-ci mettez un hashtag, copiez l'identifiant de la channel, et collez-le. Pour les catégories, c'est pareil que les channels, copiez et collez l'identifiant avec un hashtag devant. Les deux accents graves en insérant du texte au milieu. Trois accents graves en insérant du texte au milieu. Le crochet avec un espace et du texte. Ça a un effet que sur une ligne. Cependant, si vous en mettez trois, l'effet sera sur toutes les lignes en dessous. Maintenant, passons à la chose la plus intéressante. Des textes hyper liens sur les embeds. Vous avez juste à ouvrir deux crochets, suivis de deux parenthèses. Quand vous voyez le texte ne s'affiche pas, vous mettrez entre les deux crochets votre titre et entre les deux parenthèses le lien. Comme vous le voyez, on peut cliquer dessus. Tenez à respecter les conditions générales de Discord. Et voilà, maintenant vous savez tout sur la mise en forme de texte sur Discord, pour les embeds et pour les messages normaux. Bonne discussion à vous sur Discord, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord pour qu'on ait une petite discussion avec vous ou pour vous aider. Sachez que sur notre site, on a un forum d'entraide où nous nous ferons un plaisir de vous aider sur n'importe quel sujet. Alors n'hésitez pas à venir nous faire coucou. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et avec Foxto cette fois-ci. Après, faut savoir, j'étais quand même là. Il ment. Non mais viens là toi. Moi j'ai fait la vidéo toute seule.